tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une carte avec papillons. Et oui, en ce moment, je suis à fond dans les papillons. J'aime ça. C'est pour faire venir le printemps. Voilà. Bref. Alors, il vous faudra une base de cartes 14,5 sur 10,5. Un papier décoratif qui fait 10 sur 14 que je mettrai là. Après, j'ai pris un papier orange qui fait 8,5 sur 14 que je mets ici. Un papier blanc qui fait la même grandeur, 8,5 sur 14. Voilà, et j'ai découpé deux papillons, voilà, que je mettrai sous mon papier orange, voilà, comme ceci. J'ai coupé deux petits papillons avec orange avec des petits points. Voilà. Que je mettrai à l'intérieur. Voilà. Et je vais mettre le mot Hello sur cette planche de... je ne sais plus d'où elle vient. Elle doit venir de Florilège Design, si je ne me trompe pas. Alors, je mettrai ici. Les papillons, le papillon que j'ai pris, c'est celui-ci de chez AliExpress. Voilà. Les deux papillons là, j'ai pris de cette planche ici, de Action. Voilà. Et puis, il vous faudra de la mousse 3D. Fine pour les papillons et de la du double face pour les papiers. Voilà, alors passons maintenant au tuto. Et bien sûr de l'encre la Versafine noire. Voilà. Alors, hop. Je prends ma petite mon petit comment on appelle ça ? Une petite plaque acrylique pour le tamponnage. Voilà, alors maintenant je vais coller mes papiers. Voilà. Je colle mon papier blanc orange. Voilà. Je le colle là. Voilà. Et mon papier blanc par-dessus. C'est bon, et maintenant je vais coller mes petits papillons avec de la mousse 3D toute fine. Voilà. Voilà. Et je vais mettre mon petit mot Hello. Voilà. Un morceau de
deux papiers pour essuyer juste les bords. Voilà. Et je le mets ici. Voilà. Là, c'est tout bon. Je sais pas si je vais mettre un strass. J'ai envie. Je vais mettre des strass. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre celle-ci. Voilà. Il est plus petit. Mais je l'ai plus petit. Alors ça, c'est de AliExpress. Bien sûr. Voilà. Alors, je vais en mettre un ici. C'est bon. Pas besoin de trop charger parce que ce sera pas joli. Voilà, bon ben, ma carte elle est enfin terminée. Voilà, je vous la montre. Voilà. Carte toute simple, toute vite fait. Pas beaucoup de matériel. Voilà. Voilà, alors je vous laisse avec ce tuto et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!